les autorités sont conscientes de la situation actuelle et certainement elle a bien mis les moyens pour qu'on puisse vraiment avoir une très belle édition et afin que les hommes et les femmes qui ont pris l'engagement de venir au Burkina voir des films, parler cinéma, rencontrer de nombreuses personnes et soutenir le Burkina quelque part aussi. Ça fait plus de 30 ans que je viens. Et tous les ans, il y a des changements. Et tous les ans, il y a de nouveaux problèmes. Et tous les ans, on discute. Et tous les ans, ça avance. Ça fait partie du FESPACO. Comme le continent, c'est un événement qui est constamment en vie. Pourquoi le FESPACO est important? Parce que c'est l'unité de l'Afrique, c'est la force de l'Afrique ensemble, à travers la culture, à travers le cinéma, à travers l'image. Et c'est luttant ensemble, faisant force ensemble. J'entends parfois des cinéastes dire « oui, bon, c'est le FESPACO, mais c'est pas Cannes ». Oui, mais si nous, Africains, nous disons ça, il ne faut pas attendre que les autres applaudissent le FESPACO. Le FESPACO, c'est super important, il y a des très bons films.